C'est Wawa. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est pas belle les mecs. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo très très chill. On va faire des petits packs opening. On va ouvrir des packs et tout. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, on commence tout de suite. C'est parti! Vous pouvez le voir là, on a 5 petits packs, c'est des petits packs à ouvrir très simplement, mais aussi on a 5 choix, soit 78 plus à ouvrir. Après, avec les packs et tout, on en fera d'autres. J'espère que un paquet du lot, parce qu'il y a les aussi, comme vous avez vu, il y a les Future Stars, les Future Fantasy qui sont là. Est-ce que je pourrais en paquer? Je sais pas, c'est aussi ça. Parce que EA, ils me donnent pas la chance de paquer un Future Fantasy et tout, c'est vraiment, vraiment dommage. Moi j'attends ça avec nos choix, etc. Même peut-être parquet, un petit joueur héros, on sait pas les mecs. On commence avec le premier choix. Attention, qu'est-ce qu'on aura? On aura Mounian 84. Aussi, on a la note, c'est bien parce que pour les SBC, pour faire Al-Jaber et tout, ça serait vraiment bien. Là, ici, on a Amine Gouiri. Aussi, Amine Gouiri à faire parce qu'il y a l'objectif aussi. Il y a l'objectif à faire. Ben, moi, je pense faire et voilà quoi. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas bon, pas bon du tout. Là, on récupère un Ruben Dias 83. Ruben Neves, pardon. Après, ici, là, on aura un petit Sakir 80. On va mettre, on va jeter comme ça, c'est pas grave, c'est pas intéressant, vraiment, vraiment, vraiment pas. Et là, on a 5 petits packs qu'on va ouvrir. Après, on va faire des choix 75 plus en espérant qu'on pack comme ça. On fait des SBC et tout. Là, on a 2 packs à 50K. On ouvre un petit pack joueur prime comme ça. Est-ce qu'on va avoir du lourd? Ok, ça s'allume, ça sera français, ça sera BU. Oh, oh j'ai pensé à Kylian Mbappé, les mecs, je me suis pris une fin de corps. Oh Oh la méchante fin de corps que je me suis pris là. On a eu Wissam Ben Yedder 84, c'est bien, mais avec Oyarzabal derrière. Aussi, j'aurais paqué Mbappé, je serais l'homme le plus heureux sur cette terre là. Là, on a un petit pack 80 plus. Là, regarde, on va casser le rythme. Ok, on casse le rythme. C'est bon, Croate MC, on casse le rythme. Ça fait un Rakitic 82. Et maintenant, là, regardez, ils vont me donner du lourd après avoir cassé le rythme. On va prendre un meilleur joueur, regardez. Après aussi, il y a le pack prévualisé, ça que tout le monde, je pense, a fait. Là, on loue. Regardez, là, on a cassé le rythme. Et là, normalement, on casse encore le rythme. C'est pas ouf. Après, casser le rythme, et au bout d'un moment, c'est énervant. Mais bon, tranquille. Là, il nous reste 3 packs à ouvrir comme ça. Et après, il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Là, on ouvre un petit pack aura. Est-ce qu'on va avoir une carte spéciale? Non. Ok, même pas d'animation, wesh, C'est quoi ça? Je vois les Souen et tout, ils packent du lourd. Et moi, j'arrive, je pack des vieux joueurs. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les mecs. C'est pas comme ça, Normalement, ils me donnent une carte spéciale. Regardez. Ok, c'est pas animé. Ça sera Chalanoglu. Non. Ça sera Hoskan 79. C'est Gaze, Gaze. Vraiment Gaze. Après, dans le jeu, ne mettez pas des points FIFA aussi, les mecs. Je vous tiens à vous préciser. Ne mettez pas des points FIFA, ça sert strictement à rien. Et là, le dernier pack or rare. Est-ce que ça va être animé au moins? Est-ce que ça va être animé? Ok, ça s'allume, ça sera français, ça sera BU. Oh là là, mais vas-y, qu'est-ce qu'ils ont de mettre des fins de corps comme ça déjà? Deux français, deux BU, mais pas le bon BU. C'est quoi ça? C'est peut-être un signe, hein. Les mecs, qui dit que c'est pas un signe aussi? Derrière, on avait qu'un Fossoréo là. Qui nous dit que c'est pas un signe? C'est si ça serait un signe, bah tant mieux. Si c'est pas un signe, bah dégoûté, dégoûté. Après, on va voir les SBC aussi. Les SBC, qu'est-ce qu'on a? On a Umtiti, on a deux pailles que je vais faire un par un avec mes cartes là. Comme là, on va pouvoir faire le Al-Jaber. Il part dans 80 jours. Ça, c'est un joueur à récupérer très très facilement. Et voilà quoi. 78 plus qu'on va continuer. Là, je vais finir le pack méga rare et on se retrouve pour ouvrir ça à de suite. On récupère un petit pack méga rare, ça c'est toujours bien un pack méga rare, ça nous donne de la note, parce qu'après pack méga rare, qui dit on va packer une carte spéciale dedans, qui dit oui, qui dit non, on sait pas, c'est de suite, 83 plus dedans, allez on a cassé tout le rythme maintenant, ça sera une carte spéciale tout de suite, et non, il n'y aura pas de carte spéciale, mais ça sera portugais. MC, ça sera Ruben Neves 83. Aïe aïe aïe, là c'est dur, c'est très très dur. IA ne veulent pas, c'est dur. Derrière, on a 2,83. Le pack, il est pas vendable en plus. On va essayer de récupérer le plus de joueurs vendables. Pour l'instant, il n'y en a pas de ce que je vois. Et voilà quoi, on va continuer à faire le plus d'SBC possible pour packer le meilleur joueur qu'on peut.
Tu perds le petit SBC Sami Al-Jaber qu'on va tester in game. On sait pas s'il est fort, clairement je sais pas s'il est fort. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Dites-moi fortement parce qu'il a l'air très très fort. Sinon l'animation est vraiment vraiment magnifique. 89 de général. En vrai il a une très belle carte, faut pas se mentir. C'est juste ses stats de passe, ils sont pas oufissimes. En vrai, après, à tester, on va voir tout ça. On l'envoie dans le club, tac, tac. On va le mettre à la place de Kevin Volland quand même. La place de Kevin Volland, ça ferait le taf. C'est du double 4, il peut jouer AT. Il a des belles stats, belle finition, belle accélération, belle vitesse. Stats de dribble à améliorer. Voilà quoi, moi je sais quoi lui mettre comme style. En vrai, c'est un style qui pourrait vraiment l'aider. C'est... Excusez-moi, ça va être un style finisseur. Finisseur, comme ça lui améliore ses tirs et ses dribbles. C'est-à-dire qu'il passe quand même. Là, regardez, tac, hop, hop, Al-Jaber qui prend pas de plus pour l'instant. En attendant, voilà quoi. Là, on va continuer des 78+. On va les ouvrir, les mecs. C'est parti. Ah, est-ce qu'on va avoir une carte spéciale? C'est de suspense parce que là, je vois, j'ai toujours pas de carte spéciale. J'ouvre des packs, j'ouvre des packs. J'ai rien. Là, on récupère un Fofana 79. Allez, deuxième 78+. Allez, allez, non, on récupère un Gravenberg. Et le dernier 78+. Allez, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Oh là là, on aura Ortega 80, les mecs, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Et comme vous pouvez le voir, les autres SBC, je vais essayer de faire une GT, je vais essayer de faire deux pailles. On va essayer de faire à peu près tous les SBC du jeu, ça serait vraiment pas mal. Là, il y a encore plein d'SBC à faire. Après, les aussi, mais les tout, je ferai pas. Après, on va ouvrir le choix héros de base FIFA World Cup 87+ pour une prochaine vidéo. Et voilà quoi, c'était une petite vidéo pack opening comme ça. On récupère un petit joueur, c'est Al-Jaber. Aussi, dernier pack, on va ouvrir un petit dernier pack Fut Fantasy, joueur 80+ de Amine Gouiri. Faut que je le finisse aussi, Amine Gouiri, avant vendredi. Comme ça ferait extrêmement plaisir. Une petite carte gouri améliorative parce que Rennes aussi, ils sont très bons. Rennes, je tiens à préciser, Rennes c'est très très fort. Et voilà quoi, allez, 80+, dernier pack de la vidéo. Est-ce qu'on aura une carte spéciale? Non, ça s'allume pas aussi. Et voilà, ça sera écossais DG, ça sera Tcherney 81. En tout cas, j'espère que cette vidéo pack opening chill vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la chaîne. On se retrouve pour une prochaine, les mecs. Peace.